Yahoo, du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo qui a été prévue quasiment le 1er août. Voilà, je ne l'avais pas prévue avant, elle s'est vraiment mise glissée dans mon planning alors que c'était absolument pas prévu. Mais c'est pas grave. Donc, si tu as minimum futé avec la miniature, tu as quasiment tout compris. Sinon, ne t'inquiète pas, je vais tout simplement te traduire. Il se trouve que pendant le mois de juillet, ça devait être juste après mes vacances en juillet, j'ai eu la mauvaise idée d'envoyer un colis à mon collègue youtubeur Dragmar. Voilà, et je lui ai envoyé deux mangas. Celui-ci a trouvé ça marrant de se venger. Et donc, tada! Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, il n'est pas encore ouvert et on va l'ouvrir donc ensemble. Et on va découvrir donc la petite blague de Monsieur Dragmarouni. Voilà. Donc c'était pour ça la miniature, tout simplement parce que Dragmar, comme il dit hello charmant, bonjour cher mortel, pour moi c'est un démon et moi je suis un panchat. Voilà. Donc c'était ça la traduction du titre. Donc, bah, c'est parti. C'est ici. Si je me casse un nom, Dragmar, je vais me venger encore plus. Je suis pas bien. Non, ça va. Donc, on enlève la partie où il y avait l'adresse. Et on va ouvrir ça ensemble. Hop. Ce qui est chiant avec le colis de la Fnac, c'est qu'il faut tout casser. Mais j'aime bien parce que ça me correspond tout à fait de tout casser. Voilà. Alors, je me retrouve donc comme ceci. Je vois donc que dalle vu que j'ai la feuille. Et je vais rester fixe avec vous pour ne pas voir en fait ce que je vais prendre. Donc, je suis juste en train de soulever la page merci pour pouvoir attraper facilement les mangas. Mais j'ai oublié au fait au passage, il y a encore une mouche dans cette pièce. Et tout simplement parce que j'ai allumé une bougie, les mouches en fait elles sont pas attirées par les mauvaises odeurs, elles sont attirées par les odeurs tout court. Voilà. Donc c'est parti, je sens trois trucs. Il y a un gros truc, j'ai peur. Il y a un lit qui est gros, il y a un qui sont gros. Je pense pas que ça soit. Ça pue le hentai. Je sais pas pourquoi ça pue le hentai. Si c'est du hentai. Alors. Juste, on va traduire un petit truc. Quand j'ai dit à Dragmar, quand j'ai essayé de deviner ce que Dragmar m'avait envoyé, je lui ai dit, je suis sûre que c'est du hentai. Il m'a envoyé une photo pour me dire, voilà, la tête que je fais à t'avoir envoyé ce colis. Et je lui ai dit, je suis sûre que c'est du hentai. Il me fait, non, c'est trop facile. Après, je lui ai dit, bah alors c'est la suite de Magical Girl of the End. Donc je pensais au tome. C'est pour ça aussi d'ailleurs que depuis le vendredi 3 août, je n'ai pas acheté la suite de Magical Girl of the End, pensant que c'était ça. Il m'a dit t'as peut-être une illumination, mais j'en étais sûre, c'était du hentai. Connaissons Dragmar, c'est du hentai. Donc il m'a envoyé ce titre-là. C'est Tayu Tayu. Je pense que c'est ça le nom, Tayu Tayu. Voilà. J'en étais sûre. Ensuite, ça pue encore le hentai. Moi, en fait, je vois l'image arrière à chaque fois. Et si... Ouais. Bon, je peux te la montrer, il n'y a rien de très, très... hot. Voilà ce que j'ai vu. Tout va bien. Donc, oh, il n'y a qu'un nichon qui traîne. C'est bien ça. Les canichons qui traînent. Donc on est avec le manga Power Play qui est donc encore un manga de Taifu dans la collection Sans Interdit, je suppose. Ouais, c'est ça. Et l'autre aussi, c'en était un. Ouais, c'est des Sans Interdit. Et donc pour terminer, mais t'as dû lâcher un prix monstre quoi là-dessus pour ce cadeau. T'es fou. Ouais, ça va, l'image arrière, elle est soft. Voilà. Oh tiens, ce manga-là, moi, on me l'avait déconseillé. À voir donc du coup parce que je sais que j'ai un abonné qui avait voulu tenter le hentai et avant que je commence à refaire des vidéos il avait acheté ce titre, il m'avait dit qu'il me le déconseillait à mort, donc on verra bien. Je pense que s'il me l'a acheté c'est que il a dû aimer parce que forcément je crois que je sais pas trop mais il me semble quand même que Dragmar en a beaucoup parce que j'ai pas regardé ses vidéos mangatech, elles étaient trop longues. Voilà. Et c'est donc le manga Witchcraft.
Voilà. Que aussi un sans interdit. Et ben voilà. Et ben j'ai de quoi faire tout le début d'année scolaire. Donc Dragmar, un énorme merci pour ces hentai. Je m'en doutais. Donc merci pour ces hentai, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir aussi que tu m'aies fait ce cadeau, même si t'es un petit peu fou, parce que personnellement j'ai été quand même plus sage niveau budget que toi. Donc du coup, ce que j'avais prévu pour Noël, je pense que ça va peut-être arriver un peu plus tôt, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo et ce donc petit rôle de Dragmar t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo. N'hésite pas à aller voir ma chaîne et celle de Dragmar Mouné. Voilà, et n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets en recommandation. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt.